Alors, explication de ce country blues, je l'ai nommé numéro 1. Donc, on est sur la cadence du blues, hein, comme vous avez vu. Donc, l'accord de sol, c'est le 1. L'accord de do 7, c'est le 4. Et l'accord de ré 7, c'est le 5. Alors, là, on va arpéger égrener en arpège les notes de l'accord, donc c'est tout simplement des triades. Il n'y a qu'à la quatrième mesure où on va utiliser le sol 7. On va rajouter le fa. Alors fa, c'est la septième mineure de sol, donc sur le sol 7. Ok? Donc ça donne ça. Pour info, on est en position de mi. Pour l'accord de do 7 et de ré 7, on va passer en position de la par rapport au cajède, sauf qu'on va faire un do 7. Donc ça donne ça. Pour le ré 7, ça sera ça. Tout simplement. Donc ça donne bien un esprit country. Voilà pour l'explication du numéro 1. On va passer au numéro 2. Alors, explication de ce country blues numéro 2. Toujours pareil, je le nommais numéro 2. Donc là, on va prendre des dessins de gamme en fait. Je suis toujours sur la position de mi. Donc on sera en sol, ensuite on sera en do et ensuite on sera en ré. Donc alors, le schéma, ça donne ça. Le même schéma, on va le déplacer à la huitième case, ça sera le do. Le même schéma, on va le déplacer, pardon, en case 10, ça sera le ré. Petit changement en fin. Donc en fin des deux dernières mesures. Donc on est sur le sol. Et là, on repasse sur le contribus numéro 1 pour repartir. Voilà pour les explications. Alors, les coups de médiator, c'est à votre convenance.